Bonjour, bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Grande nouveauté, je peux jouer et vous voir, le chat. J'attends vos retours pour voir si le son est bon. S'il faut que je baisse mon micro, l'augmenter par rapport au son du jeu. Ma voix est faible par rapport à la musique du jeu. Je vais plutôt... Alors... Est-ce que là c'est mieux ? Ça devrait être mieux. J'attends vos retours. Tant que j'y suis, Ben, j'ai officiellement contacté Brioche. J'ai envoyé un mail tout à l'heure. Enfin, un tweet. Vu qu'en principe, il me répond hein, sur les tweets. Je vais un petit peu augmenter ma voix du coup, encore un petit peu. C'est vrai que le son du jeu est un petit peu fort. Moi-même, je l'entends un petit peu fort dans mes oreilles. Après, le problème, c'est que j'ai plusieurs interfaces de réglage. Je vais pas trop m'hasarder. Là j'ai réglé, hein. Normalement j'ai encore baissé un petit peu le son. Je peux augmenter encore mon micro, hein, mais après j'ai peur que ça sature. Là j'ai augmenté encore mon micro. Hein. Et baissé encore un petit peu le son du jeu. Donc je te dis, ouais, j'ai contacté, j'ai envoyé un tweet à Brioche. Lui demandant de faire un saut sur le serveur. C'est vraiment le premier officiel hein, où je présente des bons aspects du serve. Donc je verrai, il m'a pas encore répondu. Donc je verrai ça. Alors, on est parti les amis pour un live d'environ 2 heures, je dirais, sur du Resident Evil Roberts. On va voir comment ça se passe. J'avais déjà fait le jeu en let's play avec Chris. On va le faire avec Jill cette fois-ci. Histoire de varier les plaisirs. On va voir comment tout ça se passe. Je joue donc sur PS4 Pro. Ça me fait très plaisir. J'ai investi hein, sur cette connasse. Pardon, mais franchement, coûte une blade quoi. Voilà, donc tout ça parce que mon ancienne PS4 ne veut plus lire le jeu. Voilà, donc j'ai investi dans une autre PS4. Alors qu'elle lit très bien tous les autres jeux, hein. Mais. Va savoir pourquoi celui-ci elle ne veut pas. Et le dernier God of War que j'ai acheté, elle ne voulait pas le lire non plus. Alors qu'elle lit très bien tous les autres. Donc, va savoir pourquoi. Et le fait est, quand tu regardes les. Quand on regarde les CD, en fin de compte, les anciens jeux et les nouveaux n'ont pas le même aspect. Donc je pense qu'ils ont changé. Ils ont dû mettre une sorte de film protecteur qui fait que les anciennes PS4, comme moi j'ai, hein, moi j'ai l'une des premières PS4, ne peuvent pas lire les nouveaux jeux. Et c'est des petits malins, parce que du coup, bah, t'es obligé de racheter une PS4. Ah. Ce qui est un petit peu relou quand même, ce qui coûte un petit peu cher. Mais bon, c'est la dure loin de la jungle. Allez, on est parti sur du Resident Evil Roberts. Thank you.
appuyer sur une touche. Ok. Alors, n'hésitez pas à commenter. Alors, pour l'instant, t'es tout seul, Ben. J'espère qu'il y aura du monde. Après, c'est vrai que je ne préviens jamais pour mes lives. Mais en règle générale, je ne sais pas quand je vais live. C'est là mon gros problème. Connexion au serveur impossible. Hein? Ouais, bah on va créer des données. Alors c'est vrai que j'ai pas relié mes deux PS4 encore. Ça, je l'ai pas fait. Parce que alors, j'ai été très surpris par la PS4 Pro au niveau de son alimentation. Elle a un câble d'alimentation comme un PC. Vous savez, la grosse prise là avec les deux grosses branches là qui viennent derrière le PC, elle a exactement la même prise qu'un PC. Donc forcément, bah, sur une prise normale, ça ne va pas. Donc j'ai investi dans une multiprise. 27 balles la multiprise. On est ravis. Mais voilà quoi. C'est the multiprise quoi. Ça risque pas de prendre feu. Et du coup, bah, j'ai pas relié mes deux PS4. Je ne pensais même pas que c'était possible de transférer d'une PS4 à une autre toutes les données en fait, sauvegarde, tout en fin de compte. Donc j'ai relié mon compte à cette PS4, mais j'ai pas transféré toutes les données des anciens jeux. C'est à dire que si je veux, là en ce moment je suis en train de faire Resident Evil 5 par exemple sur PS4 avec l'ancienne, si je veux le faire avec la nouvelle PS4, je peux. Je pensais pas que c'était possible, mais je peux le faire. Il suffit de transférer les données de sauvegarde de mon ancienne PS4 à celle-ci, et c'est tout à fait faisable. Et ça, je ne pensais pas. Alors, je m'attendais. Alors, faut savoir que la PS4 Pro tourne en 4K. Je n'ai pas une télé en 4K. Donc, mais néanmoins, je m'attendais à un visuel un petit peu plus beau. C'est pas trop le cas. Il me faudrait une télé en 4K pour pouvoir voir la différence. Oui, c'est sympa, mais faut-il avoir le matos qui va avec, hein. Bon, bref, allez, nouveau, parce que de toute manière, continuer. Et encore, il me propose de continuer, mais j'ai pas pu télécharger, donc bon, c'est pas grave. Alors, affichage large. Oh. Moi, j'aime bien le côté original. Je vais vous laisser les sous-titres parce que je me connais et que voilà. Ah. Resident Evil. Qu'est-ce que j'ai pas compris ? Fallait descendre encore, non ? Alors, j'ai retour. Ok. Ok. Alors. Vieille école, vous êtes un hardcore gamer. Alors, sur le jeu, peut-être, et surtout qu'on va prendre Jill. Alors, je me tâte. L'image a bugué ? L'image a bugué. L'image a bugué. Il semblerait que l'image ait bugué. Effectivement. Hop. C'est un problème. C'est un problème. Alors, ça ne vient pas de la Vermedia. Alors, je pense que c'est résolu. Confirme-moi, Ben. Mais. Alors, j'espère que ça va pas le faire trop souvent. C'est vrai que XSplit et Avermedia, ensemble, c'est pas nickel. C'est pas la grande joie. Quand tu veux faire une mise à jour XSplit, il te demande de dégager Avermedia. Donc, ils s'aiment pas trop les deux. Voilà. Mais effectivement, ouais, j'avais un souci. Alors, donc, old school, un hardcore gamer. Vous aimez les défis.
en gamer, ou casual, vous jouez pour le plaisir. Alors, je vais jouer avec Jill, qui a une difficulté moins grande que celle avec Chris. Maintenant, de là à me mettre en hardcore gamer, je pense qu'on va partir. Alors, honnêtement, c'est facile, normal, difficile. Je pense qu'on peut le comprendre comme ça. Je me tâte, hein. Je me tâte à apprendre de hardcore gamer. C'est vrai que le jeu, je le connais très bien. Qu'on a plus de munitions et d'armes avec Jill. Maintenant, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Hein. Bah, depuis que j'ai fait le Let's Play. Hein. Donc ça doit faire 2-3 ans. Mais d'un autre côté, j'ai peur de crever au bout de très peu de temps. Quoi. Ce qui n'aurait aucun intérêt. Vas-y, Swan, prends le hard. Ok. On prend le hard. Mais pour le coup, je vais pas être un homme, je vais être une femme. On va prendre Jill, quand même. Alors, j'ai divers tenues. Maintenant, il faut savoir que normalement, elle est comme ça. Donc, on va la prendre comme ça. Jill Valentine. Si je crève, ça sera ta faute, Ben. Vous êtes tous témoins. Il va forcer à prendre Jill. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. C'est pénible. Je sais pas pourquoi ça se fiche comme ça. Cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked. Ah, ça va pas le faire. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris. Bravo team's helicopter was a derelict. Ça, on est juste en cinématique, quoi. Save for the remaining body of Kevin. Ça va pas le faire. We continued our search for the other members. Ouais, ouais, je sais, t'as rien. Je sais. A nightmare. Je sais bien, mais je sais pas comment le régler. C'est pas petit, mon truc. C'est pas au petit. There are only three stars members left now. Captain Wesker, Barry, and myself. We don't know where Chris is. Ah non, il est resté. What is this place? Not quite your ordinary house. Là, vous devez avoir du nouveau, mais. Hey Wesker, where's Chris? Jill, no. You don't want to go back out. J'ai compris pourquoi. But we've got to. Alors. What was that? Chris? No. Le problème, c'est que si je fais ça, I'm going with her. Chris and I go back a long way. Je sais pas comment faire. You two go. I'll secure this area. Stay sharp. Normalement, là, vous l'avez bien, hein, mais ah, on a raté toute la cinématique d'intro, ce qui m'embête. Prodigieusement. Donc, est-ce que j'ai pas moyen? On va quitter. En fin de compte, il faut que je visualise mon avermédia en même temps pour que ça suive. Ce qui est ultra relou. Le seul truc, c'est que je n'arrive pas à baisser
Ma fenêtre, alors il suffit que je le mette comme ça, à la rigueur. Ah ouais, mais alors, est-ce que ça va marcher? C'est vrai que j'avais mis en bas. On va voir, vous allez me dire, tu vas me dire, Ben. On va relancer une partie du coup. C'est les fails du début. Il faut en passer par là. Je vous dirai. Donc, old school, tu m'as dit. Il faut que je laisse mon Avermedia en visuel, en fin de compte. Le seul truc, c'est que je peux pas le mettre en petit écran. Et du coup, si je le mets en grand écran... je ne vous vois pas. Alors, j'espère que vous allez voir la cinématique. De ce que je vois, ça diffuse bien. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently beaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. Ah mais si je fais ça, ça bloque. C'est chiant. Je pense m'être réglé comme il faut. Alors c'est tout un truc, hein. Je vous explique pas. Enfin si, je vais vous expliquer, mais je mets mon Avermedia au minimum de l'écran que je peux. Je passe YouTube par-dessus et en haut de l'écran je m'explique pour avoir un contrôle. Ce qui me permet d'avoir le chat et un contrôle sur ce qui se passe. Mais si je baisse l'Avermedia, que je le mets plus bas, ça bloque. Donc faut que l'Avermedia soit en plein écran. Jill, no. Tout un truc. You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Chris? No. Jill, go and investigate. I'm going with her.
Chris and I go back a long way. All right. You two go. I'll secure this area. Ouais, c'est une petite galère. Mais bon. Maintenant que je le sais, ça ira beaucoup mieux et puis je peux vous lire en même temps, donc c'est quand même un kiff. Alors j'espère que vous n'avez pas trop de décalage. Moi j'ouvre la porte là. A dining room. Et le jeu est absolument splendide. Alors je vais être un petit peu perturbé au départ au niveau des contrôles. Puisque bon nombre de jeux... Ouais, vous avez certainement du décalage, hein, mais c'est normal, hein, je suis dans un trou perdu. mais bon nombre de jeux que je fais maintenant ne se jouent absolument pas comme ça, donc il va me falloir un petit temps d'adaptation. Même si normalement, je connais bien le jeu. Blood. Et que c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. See if you can find any other clues. I'll be examining this. Let's just hope it's not Chris's. Eh, t'as intérêt à être là à chaque live, Ben. Je me suis mis en hard pour toi. Donc moi, je veux du soutien derrière aussi. Alors, fais-moi voir qu'est-ce que j'ai. J'ai un couteau et j'ai un flingue. Ok. Ouais, t'as rien demandé, c'est ça. Bon, c'est absolument dégueulasse. J'avoue, c'est plutôt bien fait. Ah ! Ah ! Je coupe pas droit ! Au secours ! Bon, on s'en est sorti ! Avoue que t'as cru que j'allais me faire choper. Celui, ça sert à rien de se le faire. Let me take care of it. What the hell is this thing? I found Kenneth killed by this thing. Let's report this to Wesker. Ok, on va. On t'a des goûts assez étranges, hein, Ben, mais. Ouais, mais bon. Ça, j'ai géré. d'ailleurs, je peux retourner voir mon pote. Enfin, mon pote. Mon ancien pote. Ouais, il est mort, hein. Alors je vous rassure, une horloge ne fait pas ce bruit énorme et absolument stressant tout le temps. Wesker! Jill, help me look for him. Let's not leave this hall. Good idea. T'as pas regardé mon live, mon premier let's play avec Chris. Quand on démarre avec Chris, on n'a même pas de flingue. Alors là c'est tout con, hein. je vous l'explique, hein. Pour ceux qui regarderaient ce live et qui n'auraient pas vu la première des vidéos, tout ce qu'il faut faire c'est faire le tour du hall en fait, histoire d'être sûr qu'il n'y a personne d'autre en fait. Et là tu me dis rien. Ah. Ça c'était dans le jeu d'origine, dans le Rebirth, il me semble, parce qu'ils ont ajouté quelques petites nouveautés quand même. Hein. Alors, nouveautés de GameCube. Mais bon, nouveauté quand même. Il faut d'abord inspecter le hall. On est d'accord. Alors l'orientation, ça va être tout un truc. Je suis hyper perturbé. Barry. Any luck, Jill? No, mes autres let's play. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Chris and now Wesker. There's not much we can do.
We can search for him separately. I'll investigate the dining room again. Okay, then. I'll try the door on the other side. This mansion is gigantic. We could easily get lost. Let's start from the first floor. Okay. Oh! I almost forgot. It's a lockpick. You'd make better use of it. Alors, c'est beaucoup plus facile avec Jill, parce que elle a cet objet, le crochet de serrurier, donc le passe-partout. Listen, something happens. Let's meet up in this hall. Got it? Okay. Et également, on aura Barry qui viendra nous aider un petit peu tout le long du jeu. Ce qu'on n'a pas avec Chris, hein, ce qu'on avait fait à l'époque. Donc, c'est quand même beaucoup plus compliqué avec Chris. Ouais. Comment je vise? What the fuck? Waouh. Ah, salopard. Je me suis foiré, mais un truc de malade. Ah ouais, putain, je suis déjà mal. C'est la porte là-bas qu'il faut aller. Bon, vous savez ce qui se passe quand on essaye d'ouvrir la porte d'entrée. Mais je démarre le jeu, je suis déjà mal. Ça va être chaud, hein, ça va être tendu. Hein. Surtout que je me suis vraiment pas facilité la vie en me mettant hard. Alors, encore avec Jill, ça va. Ça aurait été avec Chris, je t'aurais dit, mais t'es fou. Et sur ce jeu, ça va. Sur le Rebirth, il est plus simple que le jeu d'origine. Alors, j'ai également une visée automatique avec Jill. Enfin, avec Chris aussi. Dans le Rebirth, ce qu'on n'avait pas à l'époque. Ah, il fait beaucoup de bruit. Ouais, alors, une cassette VHS. Hein, bienvenue dans notre époque. Mais à l'époque, il avait des munes. Et on appréciait assez parce qu'il avait quand même deux chargeurs, le bonhomme. Et là, il n'en a pas du tout. On a des vues dans ce jeu qui sont absolument flippantes. Alors là, normalement, il y a un chargeur. Ok. Et il y a de quoi se soigner. Alors, il est gentil, le zombie par terre, il va pas se lever. Pas tout de suite, en tout cas. Et on a des herbes. Et on se soigne avec des herbes. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont fumé. Mais, effectivement... ah putain, il m'a mis super mal, le chien, en plus. Et j'ai pas le choix. T'as deux bases, je suis obligé de consommer deux herbes, quoi. Mais il va falloir que je me la joue serrée. Hein. Je vais essayer de me concentrer un petit peu, là, parce que... franchement, c'est au départ qu'il faut surtout pas perdre de vie, quoi. Si je commence à perdre de la vie maintenant, mais... j'ai pas fini, hein. Alors, il y a un monsieur dans le couloir, là, qu'il faut surtout pas aller embêter. Vous voyez, on voit ses pieds, hein. Il est tout mignon, tout beau, mais faut surtout pas aller l'embêter, en tout cas pas tout de suite. Et là, regardez dans le miroir. Oui, on le voit. Bonjour, monsieur, le gros monsieur. Dégage! Mais putain! Ah, salopard! Je suis mal. Ouais, ça commence bien, ouais, tu l'as dit, ça commence bien.
Et d'un autre côté, on a cru qu'il allait s'effondrer, quoi. Ça va être tendu du slip. Alors, je sais que j'ai de la mune un peu plus loin par terre. Ah, normalement, maintenant, je suis en hard et je l'ai jamais fait en hard. Ouais, bon, ça c'est le tuto. Alors, le problème, c'est que dans ce Resident Evil Roberts, ils ne sont pas vraiment morts. Il y a... c'est moi qui ai choisi en hard, tu m'as dit, si t'es un homme, tu choisis en hard. Fallait l'interpréter comment, Ben Alors, ça, c'est des armes poignards. Alors... Quand j'ai, je vais vous l'expliquer, ça ira plus vite. Quand j'ai un zombie, en fin de compte, qui me fonce dessus et qui me chope, grâce à ses armes défensives, j'aurai... C'est verrouillé. L'emblème d'une épée. Où est-ce que je la trouve la clé de l'épée. Alors, quelque chose me dit que je vais me faire choper. Alors, contre lui, ça serait la loose. Parce que c'est le genre de mec que t'as pas besoin de buter, hein, clairement. Il est suffisamment lent. Alors, le monsieur fait le côté comme ça. On va faire le tour. On va l'attendre un petit peu. Hein. Jean Hard. C'est bien, il a pop comme ça d'un seul coup. C'est tout à fait... tu veux bien avancer, merci. Mais le jeu est trop bien. Il est super beau, le jeu. Mais clairement, il me fait moins peur qu'un Alone in the Dark. Parce qu'au moins, je sais à quoi m'attendre. Même si en Hard, je sais pas trop... je sais à quoi m'attendre, parce que je pense que les ennemis sont les mêmes. En revanche, en termes de mune et en termes de soins, j'ai de sérieux doutes. Donc, on va y aller mollo, gentiment. Et la clé de l'épée... Alors, dans ce Roberts... Il me semble qu'elle est en bas. Alors, oui, il va falloir que je m'oriente bien. Je m'oriente au joystick, ce qui n'est absolument pas évident. Je suis vraiment pas un joueur de joystick. J'aime autant vous le dire. Bonjour. Au revoir. Alors, c'est pas le tout de les tuer. Le problème, c'est que c'est pas le tout de les tuer. Alors, on a obtenu ceci. Il faut l'examiner. Hop, pour retirer la flèche. Voilà. C'est comme ça que ça marche. La plupart des objets, il faudra les examiner. Alors, on les voit, mais alors terriblement bien. Dans ce Roberts et surtout sur PS4 Pro, les munes. Ah ouais, on les voit super bien. Et alors lui, par contre, je l'avais pas vu. Non, salopard. Non. De coup, je suis mort. Ok.
Ah, il va me télécharger comme ça à chaque fois là. Aucune donnée. Bah oui. Abruti, je n'avais pas sauvegardé. Bienvenue au Hard. Oui, effectivement. Resident Evil. Bon, ça va nous permettre. Je reste en Hard. Tu as bien vu. J'aurais pu choisir une difficulté. Ouais, non. Bah ouais, bah non. Trop tard. Trop tard. On verra. Si je remeurs, je sais à peu près où faut que je sauvegarde. Je m'attendais certainement pas à ce qu'il fasse aussi mal, par contre. Clairement, je m'attendais pas. Non, je t'accuserai pas cette fois-ci. Enfin, quoique, si, peut-être un petit peu quand même. Parce qu'à la base, c'est toi qui voulais que je fasse en hard. Faut bien que je justifie mes échecs aussi. Un petit peu quand même. Non, mais ça devrait se passer beaucoup mieux maintenant. On y croit en tout cas. Not quite your ordinary house. Je peux pas passer ça. C'est chiant. Hey Wesker. On l'a déjà vu. C'est bon. J'ai un œil sur ce qui se passe. Sur Explit, a priori ça se passe bien. Donc on va quand même récupérer des rubans encreurs. Alors vous avez vu hein, le ruban encreur, donc c'est ce qui me permet de sauvegarder. Je n'en ai que 3, donc ça veut dire que je ne peux faire que 3 sauvegardes. Tant que je n'en ai pas d'autres, je ne peux pas sauvegarder davantage. Donc, même les sauvegardes, il faut y aller de manière... faut y aller mollo-mollo, quoi. Hein. Bon, on va refaire en 2-2 ce qu'on avait fait. On était vraiment pas loin. Voilà. J'espère juste ne pas crever contre lui, là. Je passe. Beaucoup mieux, non? Moi je trouve. Barry. What is it? Look out, it's a monster. Bon, je passe, hein. On l'a déjà vu. Bon, je me dirige encore pas tout à fait droit. Mais il y a du mieux. Ça va revenir. C'est l'un de mes tout premiers jeux, hein, dites-vous. Et j'aime autant vous dire que le... Je vous le ferai peut-être parce que je l'ai. J'en ai deux en fait, parce que... au bout d'un moment, faut que j'alterne de CD sur une certaine zone. Ce qui est marrant, en fin de compte, c'est que j'ai un CD. Sur le Resident Evil de base, en fin de compte, j'ai un CD qui joue sur... une bonne partie du jeu. Et sur une très courte portion... Il ne passe pas, et j'ai un deuxième CD qui, lui, passe sur cette portion, mais ne passe pas là où mon autre CD reprend, ce qui est absolument énorme, en fin de compte. Donc, au final, ça se coordonne bien. Donc, on va pas faire la bêtise d'ouvrir la porte principale, hein. Hein? Mince, non, pas ça. C'est vrai que je peux enregistrer... Je peux enregistrer avec la PS4 directement, mais alors c'est une galère pour mettre en place. Alors, je peux également monter ce qui m'octroierait une arme bien plus puissante dès le départ et peut-être même des munitions supplémentaires. Mais moi, enfin, ouais, je suis déjà en hard, vous me direz. Est-ce que c'est bien nécessaire que je me mette encore de la difficulté supplémentaire? Bah visiblement j'aime bien ça parce que a priori je le fais quoi. Alors là-bas il y a un zombie, je vais pas me le taper pour l'instant. Ah, il faut savoir que les zombies tu vas passer oui. Que je tue, si je ne les crame pas, reviennent à la vie au bout d'un moment.
Il faut passer un certain nombre de fois sur eux. Ça fait flipper. Il faut passer un certain nombre de fois sur eux pour qu'ils reviennent à la vie. Il faudra cramer les corps, en fait. Sinon, ils reviendront à la vie. Et ça sera une petite galère, parce qu'ils seront plus rapides, plus puissants, plus résistants. Donc, y a tout un... Alors, ce qu'il n'y avait pas sur le jeu de base. Il faut savoir que le jeu de base, avec Chris, je ne l'ai jamais réussi. Pour vous dire que le jeu, là, est quand même simplifié, mais grave. Le jeu de base avec Chris, je l'ai jamais réussi. Moi, je considère qu'il y a 5 phases de jeu dans ce jeu. Il y a 5 phases. Pour moi, il y a 5 phases. Et j'atteins à peine la 3ème phase avec Chris. Et j'ai plus de balles, quoi. Il est tellement dur avec Chris. J'aurais dû prendre le couteau et l'achever au couteau. Mais je me serais pas fait bouffer. Il y a du mieux. Il y a du mieux. On s'en tape, je voulais expliquer. Bonjour. Ah ! Recharge ! Reste couché, je te dis ! Qui c'est qui a cru que j'allais me faire bouffer ? Alors tu dis ah ouais quand même, c'est à propos de quoi? Parce que je sais pas ce que tu vois en ce moment. C'est ça qui est assez perturbant en fait. Alors viens par là mon pote. Je pense que c'est par le fait que je n'ai jamais fini le jeu avec Chris sur le jeu de base. Et ouais, le jeu de base est très très dur. Ah, j'ai pas pris le poignard. Attends. Pire, ça lui fait perdre du grand. Du temps. Ouais, ouais, t'as cru à une deuxième mort. Je connais bien le jeu, hein, faut pas y croire. Faut pas croire. Je connais très bien le jeu, mais c'est vrai qu'en hard, je l'ai jamais fait. Je ne sais pas du tout ce qui m'attend. Je sais où sont les énigmes, je sais où sont les objets. En revanche, en termes de mune et tout ça... Mais le jeu de base est beaucoup plus dur. Le jeu de base est tellement plus dur. Je vous le ferai, hein, je vous le ferai. Parce que franchement... Il vaut le coup. Alors, il y a moins de scènes, il y a moins de choses. Il est beaucoup moins beau, hein, forcément. Hein. C'est un jeu de 97. Mais... il est tellement difficile. Avec Jill, encore, c'est faisable. Mais avec Chris... Dites-vous qu'avec Chris... Alors, pour ceux qui n'ont pas vu mon let's play, on n'a pas de passe-partout. Donc il va falloir, en plus des munitions qu'on a moins, parce qu'on a moins d'armes avec Chris. Par exemple, avec Chris, avec Jill, on va avoir un lance-grenade qu'on n'aura pas avec Chris. Qu'on n'a pas avec Chris. Et en plus de ça, Jill, elle, a un passe-partout qu'on n'a pas avec Chris. Il va falloir, en plus... Donc... Des munitions qu'on n'a pas. Barre-toi ! Mais salopard, il me vomit dessus.
C'est pas legit ça, monsieur. On vomit pas sur ses ennemis. C'est pas normal ça. Moi je dis non. Est-ce que je te pète à la gueule, moi? Toi, je vais pas m'emmerder avec toi pendant 10 ans, voilà, toi t'es mort. Bon, on en était là. Ah, je vous jure. Ah, des balles de pompe. Ça, c'est cool. Alors, faut que je... examine ça. Le premier, c'est pour dire bonjour. Ouais, bah, il pourrait s'abstenir. Je préfère qu'il me dise au revoir. Et donc je disais, ouais, donc il va falloir en plus avec Chris trouver des clés un petit peu partout pour combler à ce déficit. En plus de ça, Jill a des talents que Chris n'a pas, c'est-à-dire que Jill sait jouer au piano. Vous verrez, à un moment donné, ça sera très important de savoir jouer au piano. Vous verrez. Non, pas combiné, utilisé. Et Chris, lui, ne sait pas jouer au piano. Je veux dire, le Chris, c'est le boulet, parfait. Il ne sait rien faire, il ne sait pas crocheter les serrures, il ne sait pas jouer du piano. Je me demande même s'il s'est associé ses herbes, dis donc. Non, c'est dans Resident Evil 0. C'est dans Resident Evil 0 que Billy ne sait pas associer les herbes. Il faut que ce soit Rebecca qui associe les herbes. Non, faut pas tout lui donner non plus. C'est pas non plus. Il a des muscles. Il est plus puissant. Mais en règle générale, c'est vrai que c'est assez une galère de jouer avec Chris. Le jeu est quand même beaucoup plus long avec Chris. On passe quand même clairement plus de temps. Pardon. Un livre est placé dans la cavité de l'hôtel de pierre. Prendre grimoire. Bah oui. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Je veux dire, j'aime bien c'est qu'il demande quand même. On sait jamais hein. Alors qu'il y a une clé derrière. La clé épée. Et en plus on a des choses à savoir dedans. Le grimoire, les quatre masques. Alors ça c'est un rajout également hein. Ouais c'est ça Chris, c'est le débile musclé de la bande. Que du muscle, rien dans la tête. Y a qu'à voir hein, dans Resident Evil 5 hein, c'est que ça hein. Le mec c'est un camion quoi. Je veux dire je veux dire voilà quoi. Heureusement qu'il y a Sheva. Ça, c'est un rajout du Roberts. Il n'y est pas... tout ce côté masque et tout ça, ça n'y est pas dans le 1. Il y a tout un côté qu'ils ont quand même rajouté. C'est pas non plus un remastered. C'est vraiment un Roberts. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment refondu le jeu. Ils y ont ajouté quelques petites choses. Bah, je sais pas. Faudra lui demander s'il sait que... si c'est aligné de mots et compter jusqu'à 5. Je ne sais pas. Alors, jusqu'à 5 peut-être. Aligner deux mots, bah ça dépend des deux mots. Je te dirais. Oh le pauvre, il prend cher. Non mais j'aime bien Chris en fait. C'est la vérité hein, sur les Resident Evil, c'est l'un de mes personnages préférés. Mais j'ai tapé le micro, pardon. Mais c'est vrai que c'est super dur avec lui. Alors, un masque qui ne parle pas du mal, un masque qui ne sent pas le mal, un masque qui ne voit pas le mal, et un masque incapable de parler, sentir ou voir le mal. Lorsque les quatre masques seront à leur place, le mal s'éveillera. Ok. Petite énigme des familles. Alors, il me semblait qu'il y avait de la mune quand même ici. Mais c'est peut-être pour plus tard. Mais en tout cas, nous, ce qu'on voulait, c'était ceci. Et on a eu une épée est gravée sur la clé et on a maintenant la clé épée, ce qui va nous permettre d'avancer puisqu'on avait vu hein, que on pouvait dans le hall en hauteur se servir de la clé épée. Alors faut faire attention. Alors l'autre je lui ai explosé la tête donc il n'y a rien à craindre. En revanche lui là, lui il est susceptible de pouvoir revenir à la vie.
voyez que le corps n'a pas disparu. Pour ça, il va falloir que je le crame, le monsieur. D'ailleurs, pour pouvoir cramer mes ennemis... Alors, il y a deux salles de sauvegarde dans ce manoir. Il y en a l'une des deux où je trouve ce qu'il me faut justement pour cramer mes ennemis. Et je suis en train de réfléchir sur laquelle c'est. Et j'hésite fortement. Donc déjà, ce qu'on va faire, les gens, c'est qu'on va marquer une courte pause. Je vais juste aller faire mes petits besoins. Et puis je vous reprends après, je réfléchis pendant ce temps-là, mais... je sais plus. C'est horrible de plus savoir comme ça. Bon, de toute manière, les deux salles de sauvegarde, il va falloir que j'y aille. Parce que j'en ai besoin, que... c'est des lieux safe. C'est des lieux où on va beaucoup aimer aller. Donc j'ai envie d'aller dans les deux. Hein, forcément. C'est vrai que j'ai toujours un parcours bien précis dans lequel je fais le jeu. Et je vous avouerai que là, je m'en souviens plus. Ça doit faire au moins 3 ans. Le let's play doit le dernier let's play, la dernière fois que j'ai fait le jeu, c'était lors du let's play. Et il doit dater d'il y a à peu près 3 ans, je pense. Ça commence à remonter, hein. Déjà. Oh, ça passe vite. Ouais, c'est juste la vieillesse. On va dire ça. Mais d'un autre côté, c'est bien. Ça fait de la redécouverte aussi. Et ça, c'est bien aussi. Ça fait plaisir aussi, quelque part. Bref, je réfléchis. Je marque une courte pause. Je ne quitte pas le jeu. Je mets juste... je vais juste mute mon micro, histoire que vous n'entendiez pas de son chelou. J'en ai pour une minute, pas plus. Allez, à tout de suite, je reviens.
Les amis. Alors, ça a mis un petit peu plus de temps que prévu parce que ils attendaient des orages et effectivement ils sont en train d'arriver. Donc j'en ai profité pour aller ranger mon linge, rentrer mon linge plutôt. Parce que c'est beaucoup plus compliqué à faire sécher sous la pluie, forcément. Donc, alors, et en attendant, j'ai eu le temps de réfléchir, et je sais que c'est par là-bas qu'il faut aller. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait me dire que... alors j'espère que ça va pas couper par contre, parce que ça tonne bien. Il fait tellement sombre que j'ai été obligé de... Attends. L'avantage aussi que j'ai dans ce Rebirth, c'est ça, c'est que j'ai la visée automatique. Ce qu'on n'a pas dans le jeu de base. Ce qui est quand même beaucoup plus compliqué pour savoir si on a un ennemi en face. Couché! Mais c'est pas possible, il nous en faut combien? Dégage. Il est pas mort. Oh putain. Alors est-ce que c'est celui qui est par terre ou est-ce que j'en ai un autre? Parce que... J'en entends un autre. J'ai plus de balles. C'est chiant ça. Danger. Oh, je l'ai eu au couteau. Oh mon dieu. Oh my god. Comment vous dire que je suis mal là? Comment vous dire que là ça va être tendu quand même. Je suis au couteau quoi. Je vais pas paraître pessimiste. Ah, hein, certainement pas. Mais là, quand même, je te dirais que c'est pas la joie non plus. Je suis pas encore mort. M'enterrez pas comme ça, regardez. Il y a de la mine. C'est juste, mais on a ce qu'il faut. Un mémo chiffonné. Aujourd'hui, Sir Spencer m'a demandé de bien cacher quelque chose. Je crois avoir trouvé la solution. Si cette chose est gardée par une bête aussi agressive que l'espèce de chien qui erre par ici, personne ne pourrait s'en approcher. Pour autant que je sache, ce corneau du diable traîne toujours du côté du balcon du premier étage, à l'ouest de la terrasse, et il devrait répliquer au son du sifflet pour chien. C'est là que vous entrez en scène. En effet, je ne vois pas qui d'autre pourrait approcher ce maudit Cerbère sans risquer d'y laisser sa peau. Ok. Donc, ce qui signifie que vous êtes la seule personne capable de lui mettre ce collier. Il contient l'objet que Sir Spencer veut dissimuler. Je ne peux confier cette mission qu'à vous. Bien sûr, vous recevrez une récompense. Vous vous souvenez de cet objet sur lequel vous essayez de mettre la main depuis longtemps? En échange de vos services, je pourrais m'arranger pour vous le procurer. Nous avons tous les deux à y gagner, John Tallman. Ah, c'est écrit bizarrement, John. Il manque un H. Ou c'est John Tallman. Je sais pas, c'est peut-être renommé. Bon, si ça coupe inopinément, parce que là, plus ça va, plus ça s'assombrit. Bon, techniquement, tant que ça flotte, ça va pas taper ici. Mais c'est vrai que c'est très sombre. J'ai dû allumer la lumière. Parce que je vois que dalle. Je ne vois plus rien. Et je n'ai toujours pas sauvegardé depuis le début du jeu, donc on va essayer de pas mourir. Hein ? Ça serait con quand même. Hein. Parce que là, je suis quand même beaucoup plus loin que la dernière fois. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Alors, je peux plus porter d'objets. Super. Sauf que... Je peux combiner ça
à ça. Le problème, c'est qu'ils sont au moins 3 dans le couloir d'après. Et qu'avec 15 balles, je vais pas faire long feu, si tu veux. Tu vois ? Un peu le problème. C'est-à-dire qu'il va falloir que... Et je n'aime pas ça, mais il va falloir que je le fasse. Il va falloir que j'esquive du zombie. Et je n'aime absolument pas ça. En règle générale, j'aime bien tous me les taper. Alors, la botanique. Alors, ça m'emmerde un petit peu de vous le relire, mais c'est important parce que de là... Ouais, bah vas-y, lâche-moi. Non, mais je déconne. Y a pas de souci, mon ami. Merci d'avoir été là. Et puis, bah, y aura la rediff. Hein. Si tu veux suivre cette aventure, il y aura la rediff. Au pire, il y a le premier let's play. Bah, n'hésite pas. Voilà. Et je te fais des bisous. À bientôt. Bon courage à toi. Allez, à bientôt. Bye. Alors, ça m'embête un petit peu de le lire, mais je vais le relire pour ceux qui ne l'avaient pas lu. C'est un ouvrage qui est unique dans tous les Resident Evil. Et on sait pourquoi, en fin de compte, les plantes sont aussi... pourquoi ils utilisent les plantes, en fait. De l'usage des plantes médicinales. Comme vous le savez sûrement, il existe de nombreuses plantes aux vertus médicinales. Depuis la nuit des temps, il existe de nombreuses plantes aux vertus médicinales. Depuis la nuit des temps, l'humanité soigne ses blessures et ses maladies à l'aide de diverses plantes. Dans cet ouvrage, nous nous intéresserons à 3 types d'herbes qui poussent dans les montagnes Harclay et nous décrirons sommairement leurs propriétés médicinales. Chaque herbe a une couleur différente et une vertu thérapeutique particulière. Donc, la verte, on a vu à quoi ça sert. Je vais vous l'expliquer tout court, hein, en fin de compte, ça ira plus vite. Il y a la rouge et la bleue. La rouge, en soi, n'a pas de vertu toute seule. Il faut la mélanger avec une autre herbe. Mais dans l'eau, il faut quand même qu'il y ait une verte. C'est-à-dire que si je mélange... Alors, il y a rouge, bleu, verte. D'accord ? En herbe. La verte, je peux la manger toute seule, il n'y a pas de souci. La bleue aussi, il me semble, mais sous certaines conditions. La rouge, en soi, ne sert à rien, sauf si elle est combinée à l'une des deux autres. C'est ce qu'ils auraient, dit dans les, dans l'ouvrage. Sauf que je ne peux pas la mélanger à l'herbe bleue seule. Il faut impérativement qu'il y ait une herbe verte au passage. Et elle aura pour effet de multiplier les effets. Et l'herbe bleue soigne, quant à elle, du poison. Voilà. Sachant que le soin ultime est une herbe rouge, une herbe verte et une herbe bleue cumulée. Bonjour. Alors, je descends, hein, parce que de toute manière, les deux, ça va être compliqué de me les faire. Salopard, dégage! Je préfère rentrer là. J'aurais de la mune. Ça a peut-être été même stupide d'essayer de me les faire comme ça. J'ai de la mune. Alors, j'espère que j'en ai dans le coffre. Ah, surtout, je peux plus prendre ça. Ok, super. J'espère que j'en ai. Oh, j'en ai pas. Sérieux. Ça va être tendu, les amis. Moi, je dis ça, je dis rien. Mais alors, ça va être... Ça va être quand même hardcore, là. Parce que de tous me les faire au couteau, je dis pas que c'est impossible. Ouais, bon, ça je sais.
alors, le problème, c'est ce qui m'attend dehors, quoi. Là, les trois, ils sont indispensables de tuer. Je peux pas les laisser en vie, c'est pas possible. Alors attention. Voilà. Parce que le problème c'est que... je peux me faire cramer. C'est impossible. Je vais crever. Ouais. C'était obligé. J'ai voulu me la jouer à la Resident Evil 5 et ça passe pas. Et j'ai pas sauvegardé. Oh mais quel con. Mon dieu, ce qui tombe. J'ai bien fait d'entrer mon linge. Bon! Resident Evil. On va se faire commencer. Gentiment. Mais je vais peut-être pas me mettre en hard. Hein. Je vais peut-être me mettre en gamer, simplement. Tu vois? Parce que de crever en boucle comme ça... ne m'amuse pas spécialement. C'est marrant, hein, en soi, c'est marrant. Hein, c'est vrai. Mais bon... niveau de l'amusement, je te dirais qu'on est à 1 sur 10. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City. On va passer. Hein. Alors, je sais pas pourquoi, par contre, il me... c'est quoi ces chargements, là, à chaque fois là. Alors, vous risquez d'entendre de l'orage. Mon Dieu, ce qui tombe. There are only three stars members left now. Captain Wesker, Barry and myself. We don't know where Chris is. Alors, clairement, j'ai pas envie d'être dessous. What is this place? C'est hallucinant ce qui tombe là. Bon, on était loin, non, on était pas très loin en fait. En 2-2, j'y suis de nouveau. A dining room. Enfin, avant la fin du live. On en a encore pour 3 quarts d'heure. Et j'aurais cédé. Je me suis mis en difficulté moins forte. C'est trop dur. En hard, c'est trop dur. Faut être un... hard trier, quoi. Jill, see if you can find any other clues. Clairement, j'ai pas envie de ça, quoi. Let's just hope it's not Chris's. J'ai vraiment pas envie de recommencer en boucle. Alors, c'est vrai que j'aurais pu sauvegarder et du coup je serais revenu là, mais clairement c'était chaud quoi, j'avais plus de balles. Alors plus ça va, plus je m'oriente mieux, hein. Clairement, mais le gameplay, je l'ai en main, y a pas de souci. Mais j'ai pas de mine, quoi. Moi, d'esquiver tous les monstres de la baraque en permanence, ça ne m'arrange pas. Faut savoir que sur Resident Evil, il y a besoin de faire des allers-retours en permanence, quoi. C'est le principe des Resident Evil hein, de base, c'est qu'on a très peu d'inventaire. Et du coup, ces coffres sont indispensables. Parce qu'ils nous permettent de stocker nos objets, de pouvoir en prendre de nouveau et ainsi de suite. Alors vous l'aurez peut-être entendu, vous aurez peut-être entendu un éclair derrière moi.
En plus de celui qu'il y a eu dans le jeu. Parce qu'il y en a eu un des deux qui était bien réel. Ah, c'est un truc que je reproche à la PS4, c'est au niveau de la manette, c'est... Ah. C'est... sa touche start qui est tellement petite. Alors je crois qu'il n'y a pas besoin de faire ça en fait. Il y a juste à attendre en fait. Barry. Any luck, Jill? Ok. Bon, on a de nouveau le crochet de serrurier. Thanks. I may need it. Listen. On va essayer de se concentrer. Normalement, je devrais moins galérer à tuer les monstres. Je vais peut-être même... Non, même pas. Même pas, vous êtes radins. Hein. Ils sont super radins quand même. C'est-à-dire que là, je suis que en normal, en fait. Oh, je me mettrai pas en facile, hein, de la merde. Faut pas déconner non plus. En normal, je l'ai fait avec Chris. Ah, sur GameCube, certes. Maintenant, je vois pas pourquoi ils auraient augmenté la difficulté, hein. Donc clairement, là, si je m'en sors pas, c'est que c'est moi qui joue mal. Hein. Alors, encore une fois, hein, si ça coupe, vous étonnez pas, j'ai un gros orage en ce moment. Et je ne sais pas, je suis vraiment dans un petit patelin, hein, donc dans une petite ville. Et niveau électricité, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Hein. J'espère quand même ne pas avoir de coupure d'électricité, ça m'embêterait. Surtout en début de soirée comme ça. Ah, vous voyez, déjà il y a des herbes en plus. Elle n'y était pas là, celle-là, la dernière fois. Il y a peut-être de la mûne aussi en plus. Non ? En tout cas, les monstres sont quand même beaucoup moins résistants. Une balle. Alors, il n'est pas mort, hein, bien entendu. Mais il m'en fout quand même beaucoup moins. Pour en venir à bout. C'est... La différence entre le normal et le difficile est juste hallucinante. Alors, par contre, quand on est en facile, il me semble de mémoire... qu'il y a de la mûne en moins. Par exemple, celle-ci, de mémoire, en facile, elle n'y est pas. Alors, j'ai un zombie en moins aussi. Alors, c'est peut-être avec ça que je confonds. Il y a peut-être... La mûne, elle est peut-être là, mais par contre, c'est peut-être le zombie qui n'est pas là. Ça, c'est possible. Alors, il nous explique ici, hein, vite fait. Bonjour. Oui, tu cries, tu es malheureux, je comprends bien, je compatis à ta douleur. C'est vrai que d'être dans cet état-là, moi j'aimerais pas trop non plus. Hein. Ah. Ah. Alors, c'est toujours pas simple au joystick de s'orienter. Alors, non, alors... Oui, j'ai voulu faire le tour pour me prouver que j'étais capable de faire le tour en fait. Mais ce qui ne sert strictement à rien. En espérant que j'ai le temps de faire tomber ça. Et là encore, vous vous demandez, mais à quoi ça sert? Je veux dire... ça fait deux tries que tu fais,
Et t'es toujours au même point, t'as toujours pas récupéré, mais bon, là ça va changer maintenant. J'ai abaissé un petit peu la difficulté, donc on va aller au bout, hein, forcément. Mais encore heureux que je connais le jeu. Qu'est-ce que ça serait? Mes pauvres amis, qu'est-ce que ça serait? Bon, je vous aurais quand même fait voir comment cramer les zombies. On aura quand même été jusqu'à la première salle save. Maintenant, de me les taper au couteau, honnêtement, ça me tente absolument pas, quoi. Tu vois. Ouais, il y a des zombies en moins. Ils sont moins robustes et il y a des zombies en moins. Donc, clairement... Par exemple, ici, il n'y en a pas du tout. Donc, forcément, ça va m'aider. Moins de zombies égale plus d'armes. Alors, ça, c'est pareil. Hein. Le cimetière, tout ça, ça n'y était pas. Dans le jeu de base, tout ça, ça n'y était pas. Alors, le problème qui est le mien, c'est que du coup, je vais avoir trop de place. Là, ça va dérouler, hein, j'aime autant vous le dire. Là, ça va dérouler. Et il va falloir que j'organise bien l'orientation de mon jeu pour savoir où aller, pour savoir quoi prendre. Pour avoir de la place pour tout prendre, en fait. Pour éviter le plus d'allers-retours possible. C'est vrai qu'au final, en hard, cette question ne se pose même pas. Puisque de toute manière, t'as jamais de mun. Donc, au final, t'es pas embêté. Hein. Alors, on prend le grimoire. Hein. On l'examine. On prend la clé. On sait que c'est la clé épée, on s'en tape. C'est perturbant le son qui passe d'une oreille à l'autre. Et je vous conseille de mettre un casque. Ça sera plus plaisant pour vous. Et je n'ai pas oublié hein, Alone in the Dark, mais comme je l'ai dit dans Creativers de pas samedi mais l'autre d'après, ouais, je vis dans le futur. Excusez-moi, hein, moi je vis dans le futur. Je ne sais plus ce que je disais. Je n'ai pas oublié Alone in the Dark, mais je le reprendrai en let's play. Parce qu'il m'avait quand même assez foutu les boules. Surtout crevé comme j'étais mort en fait. Et vous voyez là, il n'y a pas de zombies quoi. On va pas dire que c'est trop simple. Mais clairement, c'est beaucoup plus simple. On va pas se mentir quoi. Je suis en normal, hein. Il n'y a qu'une différence de difficulté entre les deux. Il n'y a qu'une seule petite différence de difficulté. Vous avez vu le nombre de zombies qu'il avait fallu que je me tape en hard et le nombre que je me suis tapé là? Ça n'a rien à voir. Alors, je peux pas prendre le briquet, je peux rien prendre. Et l'orage me fait vraiment très très peur. Je me demande si on va pas mettre un terme au live plus vite qu'il n'y paraît. Ah, j'ai pas eu le temps. Je croyais qu'il était plus loin que ça et j'ai appuyé sur la mauvaise touche. Mais t'es sérieux? Eh hey, vieux. Putain, mais dégage. Eh hey, mais il me gave lui. Non, me tue pas hein. Quand même! Ça, ce qu'il a fallu que j'y mette!
Il y en a un là. Bon, ils sont costauds quand même. Ils sont costauds quand même. Là, j'avoue qu'il m'a fait peur. Et j'ai eu raison d'avoir peur, hein. J'étais en danger. Là, j'ai une herbe. Ah, il y a beaucoup plus de soins. Clairement. Il y a beaucoup plus de soins, mais... Le jeu est difficile, hein, de base. Quand même. Malgré qu'on ne soit pas sur la version d'origine. Et dites-vous que la version d'origine est tellement plus dure. Elle est impinable. La version d'origine, elle est... Je vous garantis que... C'est une horreur. Regardez, là j'ai de la mune dans le coffre. J'avais pas la mune dans le coffre. Là, le couteau, mais il est devenu obsolète. Voilà, je prends la gourde. Et je vais déjà commencer par les cramer. Et je crois qu'en plus, elle est déjà rechargée de base. Fais-moi voir. Non, elle est pas rechargée de base. J'ai rien dit. Et puis j'ai pas le briquet. Parce que ça aussi, le kérosène est une chose qui diffère selon la difficulté. Soit il y en a plein. Avec Chris, il y en a moins qu'avec Jill. Avec Jill, j'en ai toujours beaucoup plus. Enfin, beaucoup plus. J'en ai plus. Donc, on va commencer par cramer les deux corps qui sont là. Il n'y a pas de poignée sur la porte, vous ne pouvez pas passer. Ok, super charmant. J'ai déverrouillé la porte, donc on va arriver dans le couloir. Déjà, je commence par cramer le corps. Et ça, c'était dans, en irréel. L'orage, là, les éclairs que vous avez pu entendre, si vous l'avez entendu, c'était IRL. IRL. I plus loin, R plus loin, L. Pas irréel dans le sens. C'est pas possible. Non, non, c'était pas comme ça. Ok, oui, on s'en fout. Il y a encore le journal de botanique qu'on n'a pas lu et le briquet. Je m'en tape. Ok. Et le briquet. Le briquet. Yeah. Le briquet. Ok. Donc je vais commencer par aller cramer le corps de tous les zombies qu'on a butés. Histoire de pas se faire emmerder plus tard. Sauf un. Mais d'un autre côté, on ne l'a pas tué. Alors faut pas rester sur le corps parce que sinon on brûle, hein. Je vous apprends rien, le feu ça brûle. Et le jeu est bien fait, donc si on reste dessus, ça brûle. Voilà. Alors où c'est que j'en ai tué d'autres? Dans le couloir, un petit peu plus loin. Alors, le sifflet, je vais le remettre. Pour l'instant, j'en ai pas besoin. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas un chargeur là sur le... J'ai cru voir un chargeur. Moi, je ne dis rien, mais j'ai cru voir un chargeur ici. Ouais. J'aime beaucoup la tête qu'ont les chargeurs dans ce Resident Evil. Ah, vous voyez, ça part très vite, hein. De plein, je suis passé à la moitié. Alors dites-vous, en hard, je pense que j'étais qu'à la moitié, quoi. En gros, tu peux cramer que la moitié des zombies et la moitié suivante se régène après et t'es encore plus dans la mouise, quoi. Hein ?
Surtout qu'il y a double zombie. Donc double à cramer. Déjà que t'as pas toutes les mines pour les buter. Mais t'as encore moins toute la mine pour les cramer, quoi. Donc c'est un peu chaud. C'est un peu chaud du type, hein, quand même. La version hard, honnêtement, je sais pas si je la ferai un jour, hein. Elle me paraît trop hard. Alors, où est-ce que j'ai été? C'était dans le couloir un peu plus loin, dans la cuisine. Oui, je n'ai toujours pas sauvegardé, c'était qu'un détail. Bonjour à, au nouveau, à la nouvelle personne qui vient d'arriver sur le live. Alors, on va attendre. C'était qu'un aperçu. La personne est venue et est repartie. Je lui ai fait peur, faut dire. Ou le jeu lui a fait peur, va savoir. Alors, il y a ce monsieur. Encore. Mais t'es sérieux que je suis pas dessus? Je suis dessus là, faut pas déconner. Alors, il y a le monsieur également. Alors, lui, non. Pas tout de suite. Si je m'amuse à le cramer, je suis mort. Là, les corbeaux, si je m'amuse à leur tirer dessus, jamais essayer, ceci ni. Parce qu'on les voit même pas. Ah si, ils sont au-dessus. Okay. Et pour l'instant, ça ne me sert pas à grande utilité. Bonjour à toi, ô visionneur. Je ne sais pas qui tu es. Je te souhaite la bienvenue sur ce live horrifique. Bonjour. Tu vises pas bien, Jill. Mais il est sérieux, lui? Il me fait style, il va tomber, il tombe pas. Il m'a fait une feinte. Couché. Tu es mort? Ok. Et bah tu vas être encore plus mort. Il m'a fait super mal en plus, l'enfoiré. C'est qui m'a fait super mal. Bon, je voulais venir me faire lui. Lui va pas se remettre debout avant un certain temps. On va retourner dans la... dans la kitchen en haut. Moi j'aime beaucoup les graphismes de ce jeu. Je trouve qu'il est super beau. Alors c'est des plans fixes, hein, c'est aussi pour ça que... Alors je vais prendre le risque de prendre ça. Je ne devrais pas. Toi-même tu sais que je ne devrais pas. Parce que le monsieur ne va pas rester à terre indéfiniment. Mais je prends le risque. Il est temps d'aller trouver notre deuxième salle safe. D'ailleurs, il y a une serrure que j'aurais pu ouvrir. Même si j'y allais pas tout de suite, ça m'aurait... Alors, il y a un mec ici. Alors, c'est très perturbant. En termes de visée. Il y en a deux.
Oh, il y en a certainement un autre. Je pense que lui, il y avait moyen de lui exploser la tête. On lui a explosé la tête. Tu es nul, toi. Tu te couches comme ça, toi. Ah, il est pas mort. Cette fois, il est mort. Enfin, pour l'instant. Gentil monsieur qui est là, il va me falloir du kérosène pour aller griller un petit peu tout ça. Mais deuxième salle save qui est ici, et ça c'est plutôt cool. Nous on aime les salles save. On peut rien faire ici. Ali qui a bien servi. Il y a une machine à écrire, il y a rien. T'es sérieux? J'ai souvenir d'un tiroir ici. Bon, ok. Y'a que dalle. Alors, le visionnage, j'imagine que c'est quelqu'un qui a hésité. Qui cherchait quelque chose à regarder. Qui est venu voir. Qui a vu autre chose, qui est revenu, qui est reparti. Il fait ce qu'il veut. Il n'a pas de goût, c'est tout. Il manque de goût. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, une batterie au lithium. Oui, alors, parce que les armes de défense, je vous ai pas expliqué. Il y a le poignard, effectivement. Mais on a également un taser. À l'inverse de Chris, où lui a des grenades. Moi, je sais pas vous, mais je préfère les grenades. Hein. C'est quand même très efficace. Surtout quand on tire dessus. Ça fait masse dégâts. Et j'ai de la place, dites-moi. Je le prends. Le fusil cassé. Tiens donc. Ce n'est donc pas une invention de Resident Evil 7. Eh ben non, certainement pas. Un ruban creur. Ça, ça fait plaisir aussi. Et on a du kérosène. Remplir votre gourde. Oui. Et la gourde, c'est pas de Gilles. Hein. Non, je préfère préciser. Et en tout cas, si c'en est une, on la remplit pas de kérosène. J'irai pas plus loin. Bonjour monsieur. Voulez-vous du feu? Vous, là. Vous me semblez d'un air à vous enflammer. Ben voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Alors. Suivant. Alors le truc, c'est qu'il me manque. J'ai pas été visité. Tout un côté et où je vais avoir besoin d'objets. Attends, deux petites secondes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se soigner. Déjà. On va se recharger. Déjà. Je vais aller rechercher du kérosène. Déjà. Est-ce que je peux l'ouvrir, ça? Il me faut la clé armure, hein. Ouais. Il me faut la clé armure. On est d'accord.
jusque-là, je ne me trompe pas. Oui. Il faut que je retourne dans le hall. Dans un premier temps. Alors. Je vais aller redéposer juste. Parce que je suis devant, hein. Je vais juste aller redéposer les rubans encreurs. Non. Alors. Ok. Alors, j'ai un fusil cassé. C'est bien. Sauf qu'il est cassé. L'état, il ne me sert pas à grand chose. Donc, on va remonter. On va retourner dans le hall. Bonjour. Je ne t'attendais pas si proche. Tu m'as un peu surpris. Bon, la vérité, je pourrais me le buter, hein, ça serait fait. Maintenant, hein, c'est pas le plus compliqué à esquiver. Il suffit de faire le tour. Donc, honnêtement. Alors, il y a deux choix possibles. Je peux aller là. À moins que ce soit verrouillé avec une clé armure. Et c'est verrouillé avec une clé armure. Ok. Permet ça. Donc on va descendre. J'étais pas trop le choix. Alors, dans un premier temps, je vais aller ici. Avec une clé armure. L'emblème d'un casque. C'est la porte à côté. Et j'ai confondu, monseigneur. Alors. On voit un truc qui brille. Et ça, c'est... Non. C'est une épreuve bien connue des Resident Evil, hein. Puisque c'est la première dont le jeu, dans le 1, nous fait part. Sauf qu'à l'époque, c'était pas fait comme ça, c'était pas une commode, c'était certainement pas aussi bien fait. L'avantage d'une commode, c'est que c'est plus large et qu'il n'y a pas besoin de la pousser des masses. Parce qu'à l'époque, c'était un petit escabeau qu'il fallait pousser à droite, à gauche, et qu'en plus, on voit, vous voyez sur la map, il y a marqué. Les pièces où il n'y a plus d'objets et les pièces où il y a encore des objets. Ce qui rend les choses quand même beaucoup plus simples. Hein. Ils ont quand même simplifié le jeu un maximum. Je vous dis, le jeu de base, le Resident Evil 1 de base de 97, il est hard. Pour la première fois qu'on le fait, c'est une galère. Je vous le ferai, je vous le ferai. Franchement, je vous le ferai. Ça me tente bien de vous le faire. En let's play, ça me stresse assez parce que il y a des phases où je vais galérer à jongler avec les deux CD. Mais il faut que vous le voyez. Il est hard, mais hard. Il est tellement plus dur que ce Rebirth. Alors, en hard, le Rebirth en hard, je dis pas. Mais je pense, à mon sens, le Rebirth en hard et le jeu de base en normal, c'est la même difficulté.
C'est-à-dire que c'est chaud, quoi. En gros, c'est chaud du slip. Tu vois. Et là, j'ai eu le plan, du coup. Donc, on voit qu'il y a quand même de nombreuses salles que je n'ai pas visitées. Le jeu est très grand. Il est beaucoup plus grand que Alone in the Dark. Même si il s'en est largement inspiré du premier. Hein. Parce que je pense que... honnêtement, je pense que Resident Evil 1 est plus vieux que le Alone in the Dark que j'ai commencé à vous faire. Alors, cette salle n'a aucun intérêt en soi. Sachez-le, le seul intérêt, c'est de vous faire voir le pouvoir défensif des poignards qui n'était pas présent, alors des poignards ou des tasers qui n'étaient pas présents lors du Resident Evil de base. Oh, monsieur est très grand, il est un peu déshydraté. Mais ah, j'allais dire, quand on s'en sort comme ça, c'est tout bénef. Parce que il suffit juste de sortir de la salle. Voilà. J'ai gagné un poignard. Je me suis pas fait toucher. Forcément, puisque j'ai gagné un poignard. Sinon. Barry. Oh, Jill. Got any good news? Other than I'm still alive in this madhouse? No. Can't say it's much safer here either. We'd better secure our escape route first. There's gotta be a back door somewhere. All right then, let's split up again. Hey, hold on a sec. Look what I've found. What? A can of fizz. It's sure to yellow and mellow those things. It's yours. Hopefully you won't have to use it. Oh, des grenades à l'acide. Alors, lui, je sais qu'on était censé le rencontrer en haut, normalement. Enfin, dans le 1 de base. J'ai très peu fait le Roberts en fin de compte avec Jill. What about you? Oh, don't worry. I like the buddy system we have here. I see. Thanks. I'll take it. See you later. Ciao. Je l'ai très peu fait. Je me demande même d'ailleurs si c'est pas la première fois que je le fais. Le Roberts avec Jill. Parce que je trouve plaisant de le faire avec Chris, dans le sens où, où j'y arrive en fait. Et je me dis qu'avec Chris, ça va être trop facile. Alors, le jeu m'a prouvé que non. Hein, puisque je l'ai recommencé deux fois déjà. Mais je m'étais dit, vu que j'y arrive avec Chris. Et que dans celui de base, j'y arrivais pas avec Chris. Je me suis dit, avec Jill, ça va être trop simple, quoi. Et là, le jeu vient de me prouver que non. Alors, d'ordinaire, Barry... Alors là, faut savoir que dans le 1 de base, t'as pas de second choix, je te dirais. Je veux dire, ça pète et puis basta. C'est-à-dire que t'as des chiens qui apparaissent. Là, ils n'apparaîtront que si je passe trop souvent devant la fenêtre. Ok, la mune. Et normalement, Barry nous donne ses munitions quand on va là-haut. Avant de visiter le bas, en fait. Quand on visite le haut, avant de visiter le bas. Ok, j'utilise le crochet de souris. Alors, une scène qui est complètement inutile. Mais c'est une pièce qui est complètement inutile. En tout cas avec Jill. Avec Chris, encore, ça passe parce qu'on obtient une petite clé. Mais... avec Jill, cette scène et cette salle est totalement obsolète. Sachez-le. Vous
Vous n'êtes absolument pas obligé de faire ça. C'est même conseillé de ne pas faire ça. Je pensais qu'elle allait utiliser un couteau de défense. Alors, ça sert à rien, le monsieur, de... Ouais, bon, ok, on a un poignard, ok, super. Ça sert à rien, le monsieur, de le cramer, on reviendra jamais dans cette pièce. Donc, ça ne sert strictement à rien. Les vues sont quand même assez flippantes hein, par moment. Pas se cacher. Les sons sont extrêmement bien faits. L'ambiance est pesante. On se demande pourquoi il nous demande la permission de nous le donner, quoi. C'est quelque part, ça va pas dans notre inventaire. Non. Ah, alors ça c'est pénible par contre. Ça c'est fortement fâcheux, je te dirais même. Parce que du coup, on l'a vu, hein, au mur, on a vu le fusil. Mais je ne peux pas le récupérer. J'ai trop de choses dans mon inventaire. À cause des grenades que m'a donné Barry. Alors, en soi, c'est pas un souci. Je peux aller les déposer facilement. Sauf que de revenir, vous allez voir que c'est pas si simple. Eh. Tiens pas m'avoir, toi. Mais t'es sérieux ? Cram ? Bon, moi, vous aurez vu. La deuxième option. J'aime bien les cramer. J'aime beaucoup le Rebirth. Franchement, je trouve qu'ils en ont fait un truc, mais de ouf. Je kiffe. Franchement, j'adore le Rebirth. Et me revoilà ici. Alors vous dites, mais t'as une salle de sauvegarde juste à côté. Ouais, mais non. Ça se passe pas comme ça. Parce que forcément, tu prends le chemin dans un sens, mais tu peux pas forcément le prendre dans l'autre. Et déjà, on va se vider un petit peu, tu vois. Parce que ça, c'est bien mignon, mais... Lance-patate, pour l'instant, j'en ai pas. Donc ça ne me sert pas à grand chose. Hop. Et j'ai toujours pas sauvegardé, les amis. Je vais pas tarder. Alors, en normal de mémoire, il me semble que je peux... Alors, vous allez voir. Je vais rien dire pour l'instant. Regardez. La poignée de porte va sans doute casser. Ouvrir tout de même. Oui. Alors... En normal, il me semble que je peux quand même l'emprunter deux fois. Donc là, c'est la première. La deuxième fois sera quand on sera prêt à quitter cet endroit. Là, c'est pour pas m'emmerder parce que c'est extrêmement long de faire tout le tour. Et de toute manière, on va pas tarder à cesser. Et lors du prochain live, je vous retrouverai. On va voir. Ça va dépendre de la place que j'ai. Ça va dépendre de ce qui va se passer là.
Parce qu'on a vu ici, il y a un fusil. Et les crochets se relèvent. J'ai un fusil cassé que je pourrais mettre à la place. On est d'accord. Quelque chose a brûlé ici et je peux pas utiliser. Non. C'est une cheminée, tu peux pas utiliser ton briquet. Bon. C'est pas bien grave. Alors, les crochets se sont relevés et regardez. Le plafond se rabaisse. Alors, je vais attendre le dernier moment. Mais normalement, Barry est censé venir nous sauver. Ce qui n'est pas le cas avec Chris. Alors, je vais pas attendre plus longtemps. Barry, normalement, est censé venir nous sauver. Je vais pas attendre. Déjà parce que ça me fera une place dans mon inventaire et que de toute manière, le fusil cassé, je peux pas en faire grand chose. À part le mettre dans le coffre. Mais on est censé faire ça, voilà. Ah, mais je sais que, et j'en fais partie, des gens qui aiment bien collectionner des choses dans les coffres. Et de faire en sorte que le coffre soit blindé. Je n'ai jamais réussi. J'ai toujours essayé, j'ai jamais réussi. Mais j'aime bien garder les objets, en règle générale, même s'ils ne me servent pas. J'aime bien garder les objets. Et je sais qu'on est. Je suis pas tout seul, je sais qu'il y a plein de monde qui aime bien conserver les objets de Resident Evil. Alors, j'ai le fusil. Le problème c'est que je n'ai que deux places. Faut savoir que là où on va, c'est assez stressant. Qu'il y a une chose importante à récupérer, mais qu'il y a aussi plein d'herbes. Mais vous voyez qu'il y a les chiens. Alors, techniquement, tant que je ne cours pas. Je dis bien techniquement. Dans ce Resident Evil, tant qu'on ne court pas. Après, ça sera quand même essentiel de se les faire. Vous avez vu qu'il y a quand même un bidon de kérosène. Après, ils sont affolés quand même, hein. Et je reste sur le qui-vive. L'arme au poing. Faut savoir que si on court, si on va trop vite, ils sautent par-dessus la barrière. Techniquement, si on ne court pas dans ce jeu, ils ne nous attaquent pas. Donc, sachez-le. Alors, il y a quand même une proba qui nous attaque quand même, qui passe la barrière et qui nous attaque quand même. On l'a vu, hein, là, ça s'est joué à très peu de choses, à mon avis. Il y en a un qui s'était calmé, qui ne courait plus. Mais le deuxième, il courait ardemment. Mais normalement, ils sont pas censés nous attaquer si on ne court pas. Si on ne les affole pas. Après, c'est vrai que c'est stressant, t'as des chiens qui courent tout autour de toi, t'es censé, je sais pas, t'as envie d'aller vite, quoi. Il faut pas, il faut absolument pas. En tout cas, dans l'histoire, on aura récupéré un gros soin, et ça, c'est plutôt cool, je te dirais. Ça va bien nous aider. Bref, les amis, on va se laisser là pour ce live. Je vais sauvegarder. On n'aura pas été très loin parce que je suis mort deux fois. Mais j'étais en hard. C'est un jeu qui peut paraître simple quand on le connaît. Ou plutôt quand on le connaît pas.
Mais au final, il l'est pas tant que ça. Et la différence entre le normal et le difficile est assez énorme. Bref, les amis, je vous laisse. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau live. Certainement dimanche prochain, aux alentours de 15h. On aura le temps. Je pense qu'on sera pas mal. Peut-être avant, peut-être après, je ne sais pas, on verra. En tout cas, je vais finir ce let's play en live. Puisque le let's play original, originel, y est déjà sur la chaîne, mais j'avais envie de faire cette aventure avec Jill. Je vous avais dit que je la ferais, et puis bah je la fais. Voilà, tout simplement. Bref, les amis, on se laisse. C'était Spanger. Prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt. Ciao les gens, bye bye.